Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Elena Danahan, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Elle va raconter ici son enfance, ses contacts, et puis quelques mises au point qu'on fera en fin de vidéo. Donc, bonjour Elena. Bonjour Kevin, merci de m'inviter sur ton émission. C'est normal, la parole est à tout le monde et surtout à toi, parce que tu as quand même des contacts, énormément de contacts. Et j'aurais aimé que tu, déjà, si tu peux te présenter, ton CV, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, parce que les gens souvent ne te connaissent pas sous un certain angle. Et il est important de préciser ça. Oui, merci. C'est vrai que j'aime beaucoup le rappeler à l'audience, en fait. Les gens me connaissent parce que je suis une contactée des nations des étoiles, on peut les appeler comme ça. Mais en fait, ce n'est qu'une facette de ma vie. Qui je suis réellement, en fait, je suis archéologue. J'ai travaillé 8 ans en Égypte et plusieurs années en France avant et après. Je suis ingénieure au CNRS. Et donc, j'aime bien rappeler ceci parce que ça donne un contexte que les gens ne connaissent pas forcément. Travaillant pour le CNRS, si on veut garder sa place et monter les échelons, il faut être très pragmatique et vraiment collé à la science, aux faits et développer un esprit très critique et très objectif. Et j'avoue que cela m'a beaucoup aidé pour avoir une approche de mon expérience personnelle avec les extraterrestres très objective. Je me suis toujours tenue aux faits, à ce qui m'arrivait et aux contacts que j'avais. Je n'ai jamais essayé d'extrapoler ou de trouver des explications farfelues, spirituelles ou quoi que ce soit, bien que je sois une personne spirituelle aussi, hein, comme beaucoup de gens. Mais voilà, ça m'a développé un esprit très critique et très pragmatique. Et c'est une partie de moi que les gens ne connaissent pas forcément, mais ça donne un contexte. Voilà. Ensuite, quand je suis rentrée en France après mes 8 années en Égypte pour le gouvernement égyptien et le gouvernement français, à Louxor et au Caire, j'ai décidé d'approfondir les études ethnologiques des anciennes cultures. Donc, je me suis mise à faire des études de druidisme et toutes les traditions païennes pour apprendre un peu plus, aller un peu plus loin. Et donc j'ai même poussé le bouchon, l'intérêt, la fascination, parce que je suis très très curieuse, jusqu'à être certifiée druidesse. C'était le moyen pour vraiment entrer dans ces savoirs. Tout ça, c'était fascinant, fascinant. Donc ça donne une range de connaissances. Donc je suis assez excitée d'avoir pris le temps d'explorer. Voilà, donc ça, c'est moi. Me voilà. Parfait. Et donc, tu as eu des contacts. Et pour en revenir sur l'Égypte, justement, est-ce que ces contacts t'ont aidé dans tes recherches à te guider ou à t'apporter certaines informations, de chercher plus à cet endroit-là ou c'était ta propre recherche à toi et puis enfin, ils t'ont laissé comme faire ta propre expérience. En fait, j'ai toujours assez cloisonné ces deux domaines dans ma vie. Mon domaine scientifique, où je devais vraiment faire des recherches, et toutes les données que j'analysais et que je présentais à mes supérieurs hiérarchiques pour publication devaient être vraiment basées sur des artefacts, des faits, des faits historiques, etc., etc. Parallèlement à ça, je recevais quelquefois des guidances sous forme d'intuition, là, sous forme, intéresse-toi plutôt à cet endroit du temple, ou intéresse-toi plutôt à cet endroit géographique, ou regarde ce pharaon-là, il a quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que ça menait toujours à des découvertes, ça menait toujours à des liens qui se créaient. Donc, il y a eu une petite guidance comme ça, mais je ne pouvais pas
évidemment mentionnés. Et donc, quelquefois, c'était un peu embarrassant. Un exemple où nous avions trouvé dans le temple de Karnak, nous fouillons et nous avions trouvé des seaux en argile. Et un des seaux en argile avait encore l'empreinte de doigts du prêtre il y a 3000 ans. Lorsque j'ai eu cet objet dans ma main, en voyant l'empreinte, j'ai eu des visions et même un nom. Et ça, je ne pouvais pas le dire. Si je me mettais à parler ces choses-là, j'aurais été vraiment virée. Hein. J'ai donc cherché. Ça m'a donné une ligne de recherche et j'ai trouvé ce prêtre. Et j'ai finalement trouvé sa relation avec cet endroit du temple, cette porte, ce sceau. Et c'est comme ça, c'est ce genre de guidance que j'ai reçu. Et récemment, comme mes contacts extraterrestres ont renoué vraiment en 2018, ils ont commencé à me donner des informations au niveau de l'histoire cachée de la Terre. Alors ça, c'est un autre domaine qui n'est pas connecté à mon travail d'archéologue. C'est quelque chose de différent. Je cloisonne vraiment les deux. Et est-ce que tu peux en parler de certains artefacts? Est-ce que tu as vu de certains artefacts qui pourraient faire croire que l'origine réelle de la Terre et des humains? Oui, alors, il y a les textes anciens. Enuma Elish, par exemple, les textes mésopotamiens, qui parlent justement de cette genèse où des extraterrestres sont arrivés et ont fait des expériences génétiques sur les humains de l'époque dans cette partie du monde. Ça a été toujours un petit peu mixé avec des idées un peu bizarres. Mais en fait, quand on regarde vraiment, vraiment ces textes et on les prend au pied à la lettre, c'est exactement, ça correspond, moi, aux données que l'on m'a données récemment. Je me suis mise à écrire mon livre « The Seeders » en anglais, les ensemenceurs, on va traduire ça comme ça. Toute l'histoire de la Terre. Et il n'y a pas que moi, je veux dire, il y a Edgar Cayce, il y a toute la saga de Radu Sinama. Quand j'étais en Égypte, il y a néanmoins quelque chose s'est passé. J'ai étudié un bas-relief qui était qui allait du 7e au 9e pylône à Karnak, du côté extérieur où les touristes ne vont pas. Et c'était une scène de bataille qui ramenait des prisonniers des rives de Mésopotamie. Et l'un des prisonniers était beaucoup plus grand que les autres. Et il avait un crâne très allongé. Après, je me dis ça. Maintenant, je me dis c'était un Anunnaki. Mais à l'époque, j'ai vu ça. Je me suis dit c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Et c'est juste marqué prêtre ramené parmi les esclaves. Et alors, je demandais à mes supérieurs et tout. Non, c'est rien. C'est une iconographie. On ne sait pas. C'est leur façon de représenter. J'ai dit, mais je veux dire, après, j'ai commencé à chercher la documentation et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était trouvé de temps en temps. Ils les appellent les cone heads, les têtes coniques. Mais en fait, c'est toujours lié à des prêtres qui viennent du Moyen-Orient et des personnes avec certaines fonctions sacerdotales. Et c'est très, très intéressant. Et maintenant que j'ai toutes ces données, eh bien oui, ça correspond. Ça correspond à ces extraterrestres qui ont habité longtemps dans la région de la Mésopotamie et qui étaient plus grands et qui avaient un crâne allongé. Et ça, c'est très intéressant, c'est fascinant. Parce que tu parles d'Anunnaki, mais oui. Dans la Bible, il parle aussi d'Elohim. Est-ce que ça serait les mêmes ou est-ce oui. que c'est deux races différentes? Non, enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes, ils ont été appelés différemment, ça dépend. Ne serait-ce que dans le territoire de la Mésopotamie, il y a plusieurs façons d'appeler plusieurs dialectes, donc quelquefois on se mélange un petit peu. Elohim, en El, veut dire Dieu. En fait, pas vraiment Dieu, mais qui habite dans le ciel ou qui vient du ciel. Et Elohim, Him, I-M, quand on ajoute H-I-M, c'est le pluriel en sémitique. Donc, Elohim, ceux qui viennent du ciel.
Et il y a d'autres aussi, à d'autres dans l'Ancien Testament, on les trouve aussi en tant que Anakim ou Anachim. Et alors ça, c'est très intéressant, les Anakim, parce que quand on va dans les tablettes de Enuma Elish, tablettes sumériennes, les textes sumériens originaux, les Anunnaki sont appelés aussi Anak, Anach. Et le langage dans lequel ils parlent s'appelle Anak. Et Anak, Anakim, on parle des mêmes personnes. On parle des mêmes personnes. Donc, quand on commence à étudier les textes anciens et on fait des corrélations entre cultures, on retrouve le fil conducteur, le langage est une clé. Et le langage est une clé. Il faut laisser tomber toutes les théories ici et ça. Référez-vous à ce qui existe, aux artefacts anciens et aux anciens textes. Tout est là. Exact, exactement. Et donc, aussi, je tiens à préciser que tu parles énormément de langues. Tu pratiques énormément de langues, mais c'est une phase qu'on ne te connaît pas non plus. C'est génial. Tu parles combien de langues à peu près ? 7 maintenant, oui. La dernière que je viens d'apprendre, c'est le gaélique, parce que j'ai la passion pour apprendre les langues. Parle couramment, oui, arabe, égyptien ancien. C'est toutes des langues que j'ai dû apprendre par rapport à mon travail. Hein. Quand on doit communiquer avec les populations locales, eh bien, ils parlent que leur langage. Ouais, donc, faut apprendre sur le tas. Et on apprend vite. Hein. Oui, mais quand tu es passionné, tu apprends forcément les choses rapidement. Alors maintenant, on va s'intéresser à ton histoire à toi. Pas l'histoire du monde, mais ton histoire à toi. Et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tes contacts ont commencé, comment ça s'est passé, s'ils ont été positifs, s'ils ont été négatifs? Alors, mon premier contact, c'était quand j'étais toute petite, j'étais bébé, et je décris ça dans mon livre « Le nom des étoiles », c'est pour ça que je vais passer vite dessus. J'ai été enlevée au berceau par des extraterrestres, mais positifs. Je me suis retrouvée, en fait, je me souviens, ma grand-mère me lisait une histoire, et derrière elle est apparu un alien gris qui est sorti du mur, qui s'est matérialisé devant elle. Je me suis mise à hurler, et il a disparu aussitôt. Et dans la nuit, j'ai été enlevée. Mon corps s'est soulevé au-dessus de mon lit. Il y avait ce grand rayon bleu. Je suis montée et je me suis retrouvée dans un vaisseau, allongée sur une table. J'étais tellement petite que je ne savais pas parler encore. Je me souviens de ça. Et ces aliens m'examinaient. Et ensuite, ils m'ont ramenée dans mon lit. Et je sentais cette sensation de paralysie. Quand je suis revenue dans mon corps, je suis mise à hurler et c'était le matin. C'était très 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 intéressant cette expérience, mais c'était positif. Je n'ai rien senti de négatif. Ils m'examinaient juste. Par contre, quand j'avais 9 ans, alors là c'est quelque chose. C'est là où tout a basculé. Ma vie a basculé. C'était à Marseille où j'habitais à l'époque, avec ma grand-mère et ma jeune sœur. Nous étions à la fenêtre et regardait la lune parce qu'il y avait une pleine lune assez sympa. Et puis tout d'un coup, cet ovni est apparu dans le ciel et c'est comme la soucoupe volante classique. Ça brillait orange. Il y avait un halo orange autour, qui est l'ionisation en fait, qui est due au système de torsion, de champ de torsion que j'ai su plus tard. Et donc ça faisait à peu près en taille un tiers de la lune, de la pleine lune. Donc c'était quand même quelque chose. Hein. Oui. Et il a volé au-dessus des toits. Et il faisait comme ça un peu. Et on était là, waouh! Et ma grand-mère me dit, regarde, il change de couleur. Ça veut peut-être dire qu'il va partir. Et de l'orange, alors il est devenu au rouge, plus foncé. Ensuite, revenu orange, jaune, blanc. Et quand il est venu tout blanc brillant, il a fait un zigzag. Il a disparu en zigzag dans le ciel. Là. Toum, 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 là. Comme ça. Aussi vite. Et... Le lendemain, évidemment, dans les journaux à Marseille, il y a eu un ovni au-dessus de Marseille, etc. etc. Il y a même une photo que j'ai pu retrouver. Donc, cette nuit-là, j'ai été enlevée.
Par des gris, mais des régressifs. Hein. Il m'est arrivé des misères. Donc, pareil, mais c'était des gris différents. Ils avaient des combinaisons noires. Ils étaient un peu plus grands. Des grands yeux d'obsidienne. Ils étaient terrifiants. Hein. Ils sont bimés. Ils sont dans ma chambre. Et j'étais paralysée. Et ils m'ont attrapée. Ils m'ont emmenée avec eux dans ce grand rayon bleu. On est montés tous ensemble. Et je me suis retrouvée dans ce vaisseau où ils m'ont... Alors, c'était... Comme à l'usine. Ils font ça, mais là, toute la nuit, tout le temps. C'est comme s'ils étaient rodés à faire ça sans arrêt. Très rapide. Hop, ils m'ont emmené en flottant vers une table médicale en métal. Froid. J'étais paralysée, mais ma chemise de nuit a été enlevée. Très vite, ça s'est passé en secondes. Hein. Boum, posée là, des straps autour des poignets. Des straps autour des chevilles et alors les straps autour des poignets à l'intérieur ça m'a fait super mal et quand ces straps en fait il y avait des petites aiguilles à l'intérieur toutes fines, ça m'a injecté un produit qui a immobilisé neutralisé mon système nerveux, c'est-à-dire que je pouvais respirer, mon cœur battait, je pouvais voir mais je ne pouvais pas bouger mes yeux. Je veux dire, j'avais une vision périphérique. Tout ce que j'ai vu, c'était en vision périphérique, mais mes yeux pouvaient pas bouger. Je pouvais pas faire un son, quoi que ce soit. Et du coup, ils m'ont mis un implant dans la tête. Ça fait super mal. Je pouvais sentir toutes les douleurs. C'est bizarre parce que je pouvais pas bouger, mes muscles étaient paralysés. Je sentais tout. C'était horrible, horrible, horrible. Les nerfs n'ont pas été neutralisés, par contre. En fait, voilà, c'est ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais certainement les muscles, en fait. Je ne sais pas, il y a quelque chose... Je ne sais pas quels produits ils m'ont inoculé, mais mes muscles ne pouvaient pas bouger, mais je sentais tout. C'était très, très, très bizarre. Ils m'ont enfoncé quelque chose à l'intérieur, en bas. Ça m'a brûlé. Je me souviens la sensation de brûlure, tellement ça faisait mal. Et à ce moment-là, il y a une grande explosion, un bruit d'explosion dans une salle à côté, dans le vaisseau. Des voix d'hommes qui parlent un langage que je ne connaissais pas. J'étais déjà terrorisée à ce moment-là. Oui. Alors là, c'était encore plus terrorisant. J'en ris maintenant, mais parce que j'ai fait vraiment de la thérapie pour me calmer avec ça. J'ai eu PTSD, comme on dit, toute ma vie, surtout avec le dentiste, hein, c'était horrible. Et la porte de la pièce a explosé dans fumée. C'est pas de la fumée, c'était de la poussière, en fait. Explosé en poussière, il n'y a pas de fumée, c'est la poussière, je précise. La pulvérisée, en fait. Et il y a ces deux hommes en grands, en combinaison, comme des combinaisons spatiales, avec des casques, qui sont entrés. Ils tenaient des armes oblongues, comme ça, et ça tirait des lasers. Et donc, ils ont tué les gris. Hein. Ils m'ont libéré, ils m'ont défait les straps, ils m'ont emmené, mais j'étais toujours... Je ne pouvais pas bouger, mes muscles ne répondaient pas. J'étais comme une crêpe, je ne pouvais pas bouger. Et il y en a un qui m'a soulevé dans ses bras et j'avais froid, j'étais toute nue. Hein. Et ils ont marché dans l'autre pièce d'où ils étaient arrivés et il y avait tellement de poussière, je voyais rien et j'avais ma tête contre la poitrine de cet homme et je voyais que la combinaison plastifiée et tout ça. Et on s'est téléporté dans leur vaisseau. Alors là, c'était différent et je me souviendrai toujours la sensation, la première pensée qui m'est venue, c'est « Oh, il fait chaud !» La différence de température, ça m'a détendue. J'avais peur, mais je me sentais en sécurité. Je ne sais pas comment exprimer, mais c'était un sentiment de sécurité. Je me sentais vraiment en de bonnes mains. Ils m'ont allongée sur une table. Il y avait une femme qui était là. Alors, c'était des Nordiques, comme on dit. Oui. Tout l'équipage, des grands blonds. Il y avait trois hommes et une femme. La femme, très gentille, c'était le médic à bord. Elle s'est occupée de moi, donc elle m'a nettoyée parce que je saignais abondamment.
Ces enflures m'avaient vraiment abîmé les gris, donc elle m'a nettoyé le sang avec une espèce d'éponge. Ensuite, l'homme qui m'avait secouru, il a mis sa veste de combinaison sur moi pour me couvrir, pas que j'ai froid. Et là, c'était vraiment chaud. J'étais petite, hein, j'avais 9 ans, j'étais une toute petite fille. Okay. Et la dame, donc, elle a essayé de retirer l'implant tout de suite parce que c'était un tracker. Alors, elle n'y arrivait pas, c'était difficile parce qu'il fallait aller très, très vite. Ce qui s'est passé, c'est que le capitaine du vaisseau, je comprenais pas le langage, mais j'ai très bien compris ce qui se passait. Il lui demandait de se hâter, il était très nerveux de se hâter, et ensuite il lui a demandé de faire une chose, elle n'était pas d'accord, elle était, elle savait pas si elle allait arriver à le faire. Il a insisté, elle l'a fait. Et en fait, j'ai appris après que, ils ont grillé l'implant. Au lieu de le retirer, ils l'ont grillé et ils l'ont recalibré à leur fréquence de manière à ce que je puisse les entendre et qu'eux, ils puissent me traquer et s'occuper de moi, me suivre. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'implant n'a pas été activé comme un communicateur tout de suite. Ça a été activé comme un tracker pour savoir toujours où j'étais et regarder ma santé, mon état de santé. Donc, voilà, et ils m'ont ensuite, je me suis endormie dans le vaisseau. Ils m'ont ramenée chez moi. Et alors, je me suis réveillée juste avant qu'ils me ramènent chez moi. Et je m'assois et j'étais sur une espèce de un fauteuil ailleurs dans le vaisseau. Il y avait deux hommes qui conduisaient, qui étaient assis dans des sièges de pilotage. Il y avait une grande baie devant. Et là, je vois dans un coin, dans un angle, la courbure de la Terre. Et là, c'est la révélation. Là, c'est le choc. Je suis dans l'espace. Je réalise tout d'un coup, tout ce qui m'est arrivé, film à l'envers. Je réalise parce que je ne suis plus paralysée. Je suis plus dans un brouillard. Je suis plus à moitié groggy. Je suis en pleine possession de ma tête, de moi, de mon corps. Je suis vraiment fond réveillée. Et là, je suis dans un vaisseau spatial. Nous sommes en orbite de la Terre, autour de la Terre. Ils me ramènent chez moi. Voilà la Terre. Et là, je suis dans l'espace. Waouh! Et là, c'était... Waouh! Ça a effacé tout le reste. J'étais là, j'étais complètement mesmérisée. C'était fou. Et mon sauveur se lève. Il vient s'asseoir à côté de moi. Et il m'explique. Il me dit, voilà, il me parle en français. Et il me dit, voilà, tu as été enlevé par des gris, nous t'avons sauvé. Il voulait t'utiliser comme beaucoup de petites filles pour un programme d'hybridation, mais cela ne t'arrivera pas parce que maintenant, nous te protégerons et nous empêcherons que cela se passe à nouveau pour toi. Donc, tu es en sécurité, nous allons maintenant te ramener chez toi. Et puis, il met sa main... sur mon front, et qu'est-ce qu'il va faire? Et il me dit, je suis désolée, je suis obligée d'effacer ta mémoire. Parce que cela va être trop traumatisant, tu dois vivre une vie tranquille et sereine, je ne veux pas que tu te souviennes de ça. Et j'étais, et je tombe dans les pommes, je me réveille dans mon lit. Et alors là, il y avait du sang partout. Et alors à ce moment-là, voilà, j'avais une perte de mémoire entre le moment où les gris m'emmènent dans leur vaisseau et où je me retrouve dans mon lit. Tout le coup du sauvetage, je m'en souvenais pas. J'ai dû faire deux séances d'hypnose, une hypnose clinique et hypnose façon Dolores Cannon, les deux qui ont corroboré. Les deux ont corroboré où j'ai eu le moment manquant. Voilà. Donc, je me réveille dans le lit et je sens quelque chose de chaud et c'était du sang et je saignais, du sang partout qui venait de mon entrejambe, hémorragie, hurlement. J'avais 9 ans, hein, toute ma famille, il n'y a pas eu de cas de règles aussitôt, hein, c'était bizarre. Mes parents appellent le docteur de famille qui vient, il dit, bon, il va falloir l'hospitaliser parce qu'elle a une hémorragie.
Et il a regardé dans mes poignets, j'avais les marques des aiguilles en forme de triangle. Et il dit, oh, mais c'est bizarre, on dirait la rubéole, il fallait qu'il marque quelque chose. Et à cette époque-là, j'avais un carnet de santé. On a tous en France le carnet de santé où tout était écrit à la main. Et ça, c'est génial. Parce qu'il y a les tampons, il y a tout. Et on avait nos propres records médicaux. Donc, et j'ai ce carnet de santé avec la date, ce que le docteur a marqué, hémorragie, c'est pas les règles, des trucs bizarres dans les poignets, c'est peut-être la rubéole, on va l'hospitaliser, etc. J'ai ça, je l'ai. Donc des preuves. Je suis restée 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital, parce que ça s'arrêtait pas. Ils m'ont réparé et ils m'ont donné des hormones parce que la seule méthode, c'est la seule, excusez-moi, la seule explication, c'était, oh, elle a eu ses règles en avance. Mais non, elle a pas eu. Donc, pour rattraper le coup, ils m'ont donné la pilule pour déclencher mes règles que je n'avais pas. Okay. Voilà. Et alors après, donc, j'avais toujours, c'était très bizarre. Ma grand-mère témoignait que souvent le soir, je faisais des prières dans ma chambre, j'ouvrais la fenêtre et je demandais et je disais, s'il vous plaît, ramenez-moi avec vous sur votre vaisseau, je veux vous revoir, ramenez-moi dans les étoiles, je veux vous revoir encore. Et elle savait pas à qui je parlais. Et je me souvenais pas, c'est elle qui me l'a dit. Tu faisais ça pratiquement tous les soirs, je pouvais t'écouter parler. J'avais ces souvenirs inconscients, peut-être que je parlais dans mon sommeil, je ne sais pas, d'avoir été en contact avec des gens positifs, jusqu'au jour où ils se sont manifestés à nouveau. Et ça a commencé, j'avais à peu près une douzaine d'années, et là, toute ma vie, à peu près 2-3 fois par an, ils se sont matérialisés dans ma chambre où ils m'emmenaient sur leur vaisseau. Ça a commencé par la femme, le médic, parce que voir une femme, ça me faisait moins peur en tant que petite fille. Puis après, ça a été Thoran, le capitaine du vaisseau. Et ensuite, quand j'ai été assez en confiance, ils m'ont emmené sur le vaisseau. Mais j'ai eu des moments super. Hein. Ils m'ont expliqué comment piloter un vaisseau. Ils m'ont tout expliqué, des explications qui ont été prouvées scientifiquement récemment par divers ingénieurs et scientifiques comme vraiment vrai, et que ces explications-là sont même, il y a des gens comme avec le Fluxliner ou Bill Tompkins, il y a des gens, je n'étais pas au courant quand j'étais petite fille, hein. Je veux dire, il y avait tous ces gens aux États-Unis qui parlaient d'antigravité, moi je ne savais pas, mais maintenant tout a été prouvé, que j'ai fait un explicatif très détaillé dans mon deuxième livre We Will Never Let You Down, qui est en processus de traduit en français, où j'ai mis vraiment tous les schémas, comment fonctionne l'antigravité, comment on pilote un vaisseau, la propulsion, tout ça. Et ça a complètement décollé la pulpe des scientifiques, parce qu'ils ont dit mais mal à raison, mais ça marche, mais c'est exactement comme ça. Ça a été incroyable. Donc, tu as prouvé tes dessins et... Oui. Ça, complètement. Aussi. Complètement. Et on m'a donné aussi une carte des étoiles avec les civilisations principales visibles depuis la Terre. Ça, je l'ai reproduit dans mon livre, Le don des étoiles, pour offrir à tout le monde. Et c'est trouvé que, avec le temps, des contactés ont vérifié que certains systèmes solaires, effectivement, avaient des vies. Mais alors après, il y a eu Hubble, maintenant il y a James Webb, et on commence à dire, mais il y a eu des exoplanètes, et ça correspond au système. Toutes les exoplanètes qui sont découvertes, moi je les avais marquées à l'époque. Mais voilà. C'est ça qu'il faut préciser aussi. Et j'avais 14 ans. Et tu vois, l'âge de 12 ans, ça m'a frappé, parce que Jean-Charles, son contact avec Victor, c'était à 12 ans aussi. Où ils se sont remanifestés, comme si 12 ans était un âge clé. On est peut-être plus à même à comprendre certaines choses à cet âge-là. Oui, c'est intéressant. Hein. Je n'ai pas la réponse, mais c'est très intéressant. Très intéressant, ça. Et l'âge de 9 ans, 8 ou 9 ans pour les abductions des enfants, pour le programme hybridation qui prépare le terrain. D'accord. Et ensuite, il y a 10 ou 12 ans, c'est vrai que... Alors, 8, 9 ans, 9 ans, normalement, c'est l'âge où les petites filles se font enlever, à 8 ans ou 9 ans. On n'est pas encore pubère, mais ils préparent le terrain. Et moi, je n'ai jamais pu avoir d'enfant dans ma vie, parce que ils ont changé toute la chimie à l'intérieur de mon utérus,
et qu'on me préparait à recevoir des hybrides, des embryons extraterrestres, qui ne s'est jamais passé, parce que bon, j'ai été secourue. Hein. Attends, ouais. Voilà. D'accord. Quand tu parlais, il y a un fait intéressant, parce que j'ai reçu sur ma chaîne quelqu'un qui a été enlevé aussi, mais par son corps éthérique. Son corps est resté sur place, mais il a été comme aspiré par des anciens. Ils appelaient ça les anciens. Ils étaient à bord d'un cigare. Et ce qu'ils m'expliquaient, c'est que, comme tu me parlais, que ce vaisseau-là, qui est là dans ton livre, c'est celui-là. Hein ? Oui, c'est celui-là, voilà. Parfait. Et qui expliquait, tu expliquais un oscillement qui oui. Il bougeait, c'est ça ? Oui. Et lui, à chaque fois qu'il voyait ce cigare, lui, il bougeait dans ce sens-là. Il mm-hmm. oscillait dans ce sens-là. Il l'a vu 3 fois dans sa vie. D'ailleurs, s'il nous écoute, c'est Thierry Angot, et qui a eu une conscience, et ils l'ont fait voyager, il s'est fait enlever, il s'est fait retirer de son corps, mm-hmm. ils l'ont mis dans l'espace, mais avec un contact sur la main, et pour lui montrer, il disait, il parlait des textes anciens, et il se présentait comme les anciens et les créateurs. Alors, je ne sais pas si c'était de notre univers ou de la galaxie. Ah oui, ça fait beaucoup penser aux Cedars, la Confédération intergalactique. Oui. Ils utilisent les cigares, ils ont des scout ships, des vaisseaux, des petits vaisseaux navettes. Enfin, les petits vaisseaux navettes, c'est les grands cigares aussi. Mais c'est pas vraiment cigare vraiment nickel, hein. C'est avec une forme un petit peu comme ça à l'avant. Et alors, l'oscillation, bah, c'est ça. Ça correspond aux gens de la Confédération intergalactique qui sont arrivés en 2021 dans notre système solaire et sont revenus. L'oscillation, moi je l'explique, c'est dû au champ de torsion du vaisseau. Le champ de torsion d'antigravité pour modifier le champ de vision, il y a une distorsion de l'espace-temps autour du vaisseau. Et la pulsation rapide, c'est comme vous voyez une lampe néon. La pulsation, on voit la lampe. Oui. Et si c'est sur une vidéo, ça fait bizarre. C'est un même, je sais pas, rien à voir, hein, mais c'est pour comprendre, il y a une pulsation qui est très très rapide, qui est la pulsation du champ magnétique, électromagnétique du vaisseau, qui crée l'antigravité. Et cette pulsation, elle se décuple visuellement en vous. Et chaque oscillation comprend un million de micro-oscillations. Mais c'est un rythme, c'est vague en fait, hein, c'est des ondes scalaires. Donc c'est comme ça que visuellement, on a l'impression que le vaisseau, il bouge. En fait, il ne bouge pas, c'est la distorsion visuelle. D'accord. OK. Et une autre, j'ai reçu ma dernière vidéo, c'était avec Chantal Goupil, qui dit s'être aussi fait enlever. Et elle, quand elle a récupéré ses souvenirs, ça, classique, sa chambre est devenue blanche, elle est passée à travers les fenêtres. Voilà, elle s'est fait enlever. Et puis, quand elle a récupéré ses souvenirs, ça me fait penser à ton histoire parce que elle était paralysée. Elle ne pouvait plus bouger. Juste, elle, par contre, pouvait bouger ses yeux. Elle arrivait à bouger ses yeux. Aucun cri, aucun son ne pouvait sortir. Et par contre, nerveusement, elle a tout ressenti. Des aiguilles qui s'enfonçaient dans les talons. Dans chaque pied. Et ça, elle l'a ressenti. Et qu'elle est obligée de faire l'hypnose au moins 5 fois, 6.5 fois, pour pouvoir en parler, tout ça. Donc, je me dis qu'en fait, quand ils endorment, c'est un peu comme le taser, tu vois. Quand on tasse quelqu'un, c'est les muscles qui se contractent et qui te paralysent finalement, qui te font tomber. Le système nerveux, il n'est pas impacté. C'est ça. Donc, tu ressens plus. J'ai l'impression qu'en fait, nerveusement, ils ne t'endorment pas. Il te bloque avec peut-être d'électricité. Alors c'est ça aussi, tu viens de penser à ça en plus maintenant. Est-ce que c'est pas à cause de ça aussi que quand on revient, on a des interactions avec l'électricité? Parce qu'ils doivent peut-être te balancer comme de l'électricité pour te paralyser en fait. Tes muscles se paralysent comme un taser. Moi j'étais dans en gendarmerie et pour avoir cette attestation là. Avant, au début, en tout cas, il fallait se le faire tester sur soi. Ça dure 2 secondes. Ils te mettent les espèces d'ardillons, donc ces deux petits pics, soit en haut,
et vers le fessier, dans le vêtement. Et après, ils appuient, ils te déclenchent ça pendant 2 secondes. Ça dure, si tu tires sur quelqu'un, ça dure 5 secondes. C'est long, 5 secondes. Mais pour le test, c'était 2 secondes. Donc, tu te raidis, l'électrique, le champ électrique réduit tous tes muscles, tu sens tout, tu peux bouger les yeux, tu peux tout faire, mais ton corps reste comme figé. Et dès que l'impulsion se termine, ton corps se relâche et tu tombes. Comme une. D'accord. Taser, taser, taser. That 5 seconds probably seemed like 30. It just took forever. And feeling what it's like to be tased is part of it. My whole body convulsed. I couldn't move. I think I ended up like going on top of my toes, just trying to get away from it. Taser, taser, taser. Along with actually being tased, the new officer spent Friday learning the ins and outs of deploying a taser. When you pull the trigger, it activates the weapon, which fires probes. There's 2 probes. They're attached with wires that attach themselves to the offender. And then there's a surge of electricity. Sergeant Michael Brown says the electricity causes the muscles to tense up. He says that's when an officer would want to move in. Primarily, it's a control weapon and is designed to overcome somebody who's physically resisting arrest. And while he knew it would not be pleasant, Officer Gowalik is glad he experienced it. It's one of those things that everyone in the force has had it done to them, so I try not to fret over it too much. I tried to keep it in the back of my mind. I knew it was going to happen, but right now it's fine. D'accord. Moi, chiffon. Wow. Alors, moi, c'est. Il doit y avoir différentes méthodes, ça dépend d'amant des extraterrestres qui enlèvent les gens. Qui... Moi, c'était pas un choc électrique, c'était un liquide. Alors, je sais que j'ai très bien compris maintenant qu'il y a eu une première paralysie qui était due au rayon. Au rayon, quand on est dans ce rayon, on est comme dans une soupe. C'est de la lumière, mais on passe au travers de la matière. On est comme une densité plus différente. On est. Je vois. Donc c'est pour ça que tu veux dire. Voilà. Dans un rêve, ça m'est arrivé ça. Voilà, on est dans une densité plus haute, je suppose, donc on peut passer à travers les murs, mais on est un peu bizarre, paralysé. Et ça, c'est resté jusqu'au moment où je suis arrivée dans le vaisseau, au moment où ils m'ont mis sur la table, et là, l'effet commençait à se dissiper, et vite, ils m'ont mis les straps, ils m'ont injecté le produit qui a prolongé l'effet, en fait, et qui l'a vraiment bloqué, quoi. Moi, c'était le produit qu'il y avait dans les aiguilles. Donc, des fois, je me dis les marques des abductés quand ils ont des petits trous, c'est ça peut-être aussi, voilà, qui leur a injecté un produit qui neutralisait les muscles en fait, comme le taser. C'est sûrement ça. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du super soldat Russell Kellett. Non. Qui est en Angleterre, que j'ai interviewé, parce que moi, justement, quand on me parle mal de quelqu'un, ça pousse ma curiosité encore plus. Donc, et justement, les histoires vraiment folles, c'est là où je m'intéresse le plus. Et lui, son livre qui s'appelle E.T. Rider, lui s'est fait enlever sur un passage à niveau. Il voit une boule, il attend que le train passe, sauf que le train n'est jamais passé. Enfin, il ne l'a pas vu passer, en tout cas, quand il a été réintégré. Et il a été injecté d'un liquide au niveau de sa nuque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils l'ont enrôlé. Parce qu'il s'en est aperçu, parce que lui, il avait un syndrome de stress post-traumatique, alors qu'il n'a jamais fait l'armée. Comme s'il avait fait des combats, des machins, tout ça. Donc, si tu ne le connais pas, bah, écoute, je pourrais te donner le lien si tu veux parler avec lui. Oui, s'il te plaît. Ah oui, tout à fait. Un monsieur qui a maintenant, il a 59 ans. Donc, c'est quelqu'un de très... Moi, j'ai pas les connaissances en anglais pour pouvoir plus aller en profondeur dans la discussion. J'ai fait une vidéo, je te l'enverrai. Je l'ai fait en anglais. J'ai essayé de faire l'effort. Mais oui. Et justement, il parle de tout ça. Super. Et ça me fait penser tout ça parce qu'il y a ces informations qu'il y en a qui se font injecter du liquide, il y en a qui se font piquer, choc électrique. Mais voilà. Et selon toi, pourquoi toi, tu as été
sauver. Ce que beaucoup de gens, d'ailleurs, se posent la question, je pense, c'est pourquoi Elena et pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils t'ont dit le but de, ou est-ce qu'ils le savaient dans la timeline? Est-ce qu'ils ont vu dans le futur que tu aurais des problèmes? Oui, alors, bon, ça rentre dans un domaine où, on peut y croire ou pas, ça rentre dans le domaine des missions de vie, en fait. Ces gens-là ont la technologie pour voir dans le futur, bien sûr, du bon côté comme du mauvais côté. Avant de m'incarner, c'est une mission que j'ai choisie, voilà, avant de m'incarner. Ça a été choisi avec eux, en fait, d'être leur porte-parole. Le truc, c'est que, vous savez, il y a différentes classes d'extraterrestres. Il y en a qui sont plus élevés en fréquence et qui connaissent un peu plus de secrets comment l'univers marche, et d'autres comme mes sauveteurs qui sont comme nous, c'est des militaires de la Fédération Galactique, qui en savent un peu moins. Je me souviens, j'ai eu le souvenir, je me suis souvenu sous hypnose, qu'avant de m'incarner, j'ai choisi cette mission d'être porte-parole. Et il fallait que l'attention soit portée sur moi. Et ces extraterrestres d'une plus haute fréquence m'ont dit, un en particulier qui s'appelle Anax, il m'a dit, tu seras secouru, mais tu ne sais pas quand, et ceux qui vont te secourir ne savent pas quand, ni comment, ni pourquoi. Et ce sera la clé. Je ne savais pas plus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai été enlevée par des régressifs et j'ai été sauvée par cet équipage. Et j'ai gardé contact avec cet équipage. Et en gardant contact avec cet équipage, certainement qu'à un moment donné, on leur a dit, eh ben voilà, cette personne est destinée à porter nos messages. Quand j'avais 18 ans, je pense que c'est là où tout s'est passé. J'étais au lycée et je me souviens, j'ai eu une douleur qui m'a transpercé la tête comme si on me plantait un clou. C'est là où l'implant est. Et je me suis effondrée sur mes genoux. Et au moment où j'ai exprimé « Ah, ça fait mal !» la douleur s'est arrêtée. Et j'ai entendu comme une radio qui ces anciennes radios qu'on tourne. Là. Une fréquence. Voilà. Ouais. Et un bruit de fond dans ma tête, comme un takiwaki. Et j'ai entendu la voix d'Oran, capitaine de cette équipe, me dire « Ne t'inquiète pas, nous faisons juste des réglages. » Et je quoi? Je deviens folle. Je viens d'entendre une voix dans ma tête. C'est qu'est-ce que c'est? Et alors là, pof, ils ont. Et alors là, après, ça a commencé. De temps en temps, je recevais des communications. Ça s'est arrêté pendant un moment. À un moment, Toran s'est matérialisé dans ma chambre et m'a dit, écoute, voilà, nous allons partir. Nous sommes appelés en mission quelque part. Il m'a dit où? On ne sait pas quand c'est qu'on va revenir, mais t'inquiète pas, tu es toujours suivi, tu es en de bonnes mains. Et pendant ça fait, j'étais très triste, j'ai pleuré, non, non. Et bien des années plus tard, en 2018, ils ont repris contact, ils étaient de retour. Voilà, l'équipe, mon équipe, mes amis. Et c'était à partir de ce moment-là où ma mission a commencé, parce que des choses changeaient pour la Terre. Tout cela, je décris dans mon livre Le Don des Étoiles. Oui, exact. Exact. Donc d'ailleurs, je conseille à tous les abductés, parce que beaucoup de personnes vont s'y reconnaître dedans. Tu as fait aussi, est-ce que je peux montrer quelques dessins? Bien sûr, oui, c'est illustré par moi. Voilà, illustré par Elena, qui a fait les Beaux-Arts aussi. Oui. Voilà, bien sûr, à Paris. Et donc elle a fait des espèces de trombinoscopes avec différentes entités. Donc là, c'est des différents humains. Tu as fait la même chose avec des grilles. Pour moi, c'est une encyclopédie. Et ça me sert beaucoup aussi, des fois, quand on me décrit quelque chose, je vais plonger. Et je sais que Mélanie aussi, elle fait pareil, quand elle fait ses hypnoses, qu'on lui parle de certains êtres. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'avait conseillé ton livre aussi.
en me disant, regarde, c'est une encyclopédie. Je ne sais pas comment elle fait ou comment elle a eu ces informations-là, mais c'est impressionnant. C'est la richesse des dessins et les insignes aussi. Tu dessines aussi les différents insignes. Donc, les moi, vaisseaux aussi. Les vaisseaux et tout ça, mais je conseille vraiment à tous les abductés qui cherchent des réponses. Vous trouverez beaucoup là-dedans et on a la chance d'ailleurs que tu les traduis en plusieurs langues, dont en français. Ah oui, tout à fait. Et tout à fait. Et donc le prochain est en train d'être traduit par les éditions Be Light, les mêmes éditions dans lesquelles David Rousseau, les livres de David Rousseau sont traduites. Et dans celui-là qui vient, je voulais montrer les dessins des vaisseaux avec tous les détails des d'antigravité, comment ça marche, tout ça. Il y a des plans, il y a tout, hein, et c'est ça qui a été analysé par les scientifiques. On dirait les Hanebu. Oui, il y a les Hanebu, tous les différents types de vaisseaux. J'explique exactement comment ça marche avec les champs de torsion. Bon, ça c'est les dessins, mais il y a du texte aussi. Oui, voilà, c'est beaucoup d'informations qui sont bien pratiques pour les scientifiques parce que il y a quelqu'un comme par exemple Chris Esson qui m'a contacté en premier. Il m'a dit attendez, c'est incroyable hein, là, ce que vous décrivez. Alors ce qui a été incroyable, ce qui a fait tout basculer vers l'intérêt des scientifiques, puisque maintenant il y a des whistleblowers comme on dit qui disent que il y a des organisations aux États-Unis qui suivent de très très près mes publications parce que c'est de la divulgation. Chris Esson, avant de me contacter, il avait acquis mon livre, le deuxième en anglais, et il a dit mais c'est pas possible, et ça marche, c'est fou, elle va le pas plus loin, un pas beaucoup plus loin que William Tompkins, que le Fluxliner, tout ça, Ben Rich, tout ça. Il a expliqué. Alors moi, dans mon livre, j'explique que on me dit que il y a un liquide qui est du mercure qui est injecté dans les toroïdes et il y a un influx électromagnétique qui fait bouger ce mercure, qui lui donne une dynamique et le mercure est rouge. Et alors dans les dessins que j'ai faits, on me disait vraiment attention. Tu montres avec des flèches que ça tourne dans ce sens. Et tu montres que ça tourne dans ce sens. C'est très important, les flèches. OK, les flèches. Chris Esson dit, j'ai été intriguée par le sens des flèches parce que c'était pas normal. Et j'ai cherché. Et la seule chose si un mercure tourne dans ce sens, par un champ ému dans ce sens-là, par un champ électromagnétique, c'est du dioxyde de mercure et c'est rouge. Et il a dit, il y a des cas où des vaisseaux spatiaux, des soucoupes volantes ont crashé et ont été récupérés. Il y a des gens qui disent qu'il y avait du liquide rouge un peu pourpre qui suintait du moteur des engins. Et alors, tout était là. Et moi, je dis, c'est un liquide rouge et c'est du mercure. Et pour moi, le mercure, c'est gris. Et je me suis dit, OK, je marque. Ce qu'on me dit, je le marque, hein. Et j'ai confiance. Et après, c'est prouvé et c'est expliqué. Et c'est là. Et déjà, regarde, le mercure, déjà, c'est ce qu'on trouve. C'est le liquide rouge qui est dans nos thermomètres. Oui. Déjà. Et par contre, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu me parles de mercure. Et le terme de Thierry Angot, que je te parlais, qui s'est fait abducter, que le cigare faisait osciller comme ça, il me parle que la couleur de ce vaisseau-là était de couleur mercure. C'est son terme. Et comme le mercure liquide de couleur argentée. Je ne sais pas si tu vois à peu près, si ça donne une idée. Oui. C'est très argenté, mais couleur liquide, le mercure liquide. Ah, alors là, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est l'enveloppe extérieure du vaisseau. On dirait du mercure liquide. C'est ça. Et, alors moi, on m'a montré, on me l'a fait toucher. Et ça, d'ailleurs, ah bah voilà. le deuxième livre. Celui-là, quand il va être traduit en français, ça va être grandiose. Voilà. Et je vais décrire, j'ai même fait un dessin. D'accord. Oui. Génial. Voilà. Et alors, ça, quand on met les mains,
C'est intelligent, c'est une forme, c'est vivant, mais c'est de l'intelligence artificielle. Quand on le touche, ça se rétracte un peu. C'est un peu timide. Et puis jusqu'au moment où, parce que le champ électromagnétique du corps humain, ça influe là-dessus. Et en fait, on m'a expliqué, c'est pas vivant biologique, c'est vivant artificiel. Mais la coque est comme ça parce que c'est censé réagir aux variations de champ électromagnétique du vaisseau. Voilà, selon qu'il accélère, qui voilà, etc., etc. Et j'ai eu l'occasion de toucher ça, effectivement, on dirait du comme un peu, vous voyez, ces trucs caoutchouteux là, les boules là pour en caoutchouc pour détendre les nerfs là, oui, ces petits machins là, c'est ce genre de sensation, ouais, voilà, c'est fou ça, j'adore les corroborations. Oui, je sais. Avec Jean-Charles, t'en as des corroborations. Oh là là, et Dan Willis, qui est un ancien US Navy niveau 14 de Top Secret Clearance, il a fait la liste de toutes les corroborations de mes informations qui ont été corroborées après coup. Il y en a 28, que ce soit par les gouvernements, la NASA, beaucoup par la NASA. Par exemple, je vous donne un exemple. Chaque fois que j'ai une information, je fais tout de suite une vidéo sur YouTube pour faire le backup de la date. Et alors, j'en ai fait une. Alors, ça, c'est le meilleur exemple. Mon contact, Toran, qui est un nordique de la Fédération Galactique, il me dit, je suis sur Mars et on fait des terraforming de Mars. Et il y en a un qui a été un peu trop fort et ça a provoqué un séisme. Et donc, il y a des installations qui ont été endommagées et on est là pour voir les dégâts. Et il me dit ça. Je dis, OK, je fais une vidéo. Bon, Toran m'a dit ça, il est sur Mars, blablabla, bla, bla, il y a un séisme, force incroyable. Eh bien, 4 jours plus tard, NASA fait un annoncement. Séisme sur Mars, comme on n'a jamais vu auparavant, super, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà, boum, il y en a 20, j'ai 28 cas comme ça pour le moment, et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Toran a rencontré le général du NORAD, Glenn Van Herk. J'ai eu cette information début janvier. Alors je fais une vidéo et je dis à Michael Salah, il recherche toutes mes corroborations aussi. Et il me dit, OK, je t'envoie une liste de 40 généraux américains. Il n'y a pas leur nom. Tu vas me dire lequel ils ressemblaient. Et tout de suite, j'ai dit, oh, tiens, celui-là. Il me dit, OK, ça fait sens, là, le général Glenn Van Herk, je sais qui. Il me dit, le général du NORAD, OK, oui, bon, d'accord. Il me dit, si jamais il y a une invasion extraterrestre ou des contacts avec des extraterrestres, c'est lui qui est en charge. Waouh! Eh bien, un mois plus tard, général Glenn Van Herk, qu'on n'avait jamais entendu parler auparavant, jamais, il est sur toutes les télés parlant d'extraterrestres et d'UFO, parce qu'il y a eu ces fameux survols des États-Unis. Anything that approaches North America, if it's unknown, I'm going to go identify it and assess, is it a threat? If it is a threat, I'll shoot it down. If it's not a threat, the kinetic military threat that we talked about earlier, it's not committing a hostile act or hostile intent, then we'll have a broader discussion. Because you still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky, that raises the question, have you ruled out aliens or extraterrestrials? And if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. Thanks for the question, Helene. I'll let the intel community and the counterintelligence community figure that out. I haven't ruled out anything at this point. We continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America with an attempt to identify it. Boom! Mais il y en a plein, il y en a 28 comme ça pour l'instant, mais ça grandit chaque jour. Récemment, le NORAD s'est réuni
avec le Canada. Voilà. Et j'ai vu ça sur le site de l'aviation, de la, Air, la Royal Air Force canadienne. Les corroborations, c'est vraiment impressionnant. Et justement, quand tu vois ça, il n'y a pas de doute. Alors, les sceptiques, on en parlera tout à l'heure, mais moi, je voulais juste, pour l'instant, me focaliser sur tout ça. C'est déjà, comment as-tu eu accès à toutes ces informations? Est-ce que tu as eu, pour les êtres, par exemple, le répertoire de tous les êtres, leurs particularités, je suis sûr, ma main a coupé qu'il y en a qui vont lire après cette vidéo, qui vont acheter ton livre et qui vont dire effectivement ce que je retrouve ceux qui m'ont enlevé ou ceux qui m'ont contacté. Ah ben là, oui. Alors moi, ce qui m'a la première chose qui m'a impressionné après que mon livre soit sorti, moi, c'était juste témoigner de mon expérience. C'est qu'il y a beaucoup d'hypnotiseurs et de thérapeutes qui m'ont dit. Votre livre, c'est une bible parce que nous l'avons à côté quand nous faisons les séances d'hypnose. Et les gens décrivent des extraterrestres et en me basant sur votre livre, je pose des questions et ça correspond toujours, toujours, toujours. Et les gens peuvent identifier les extraterrestres qui les ont enlevés ou les contacts qu'ils ont eus. C'est assez incroyable. Et moi, j'étais waouh, mon livre devient une bible pour les hypnothérapeutes. Waouh. Comment j'ai eu ces informations? Voilà. Alors, quand j'ai commencé à avoir des communications à l'âge de 18 ans, ils ont commencé à me parler, j'ai réalisé qu'ils pouvaient aussi m'envoyer des images par télépathie, par technologie. Voilà, c'est une télépathie qui utilise la technologie, c'est-à-dire que je vais entendre vraiment des sons et je vais voir des images. Donc, ça a été une communication qui a souvent été comme ça. De temps en temps, je recevais des images. Donc, j'étais habituée. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je commence. Bon, le don des étoiles, le projet initial, c'était raconter mon histoire d'abduction et d'être secourue, parce que c'est quand même extraordinaire. Voilà, je voulais le partager avec le monde. C'était ça. C'était bon. En plus, je faisais les dessins, tout ça. C'était excitant comme projet. Ça peut aider d'autres abductés, etc., etc., etc. Alors que j'ai commencé à écrire ce livre, je vois un jour dans ma boîte aux lettres une enveloppe de format A4. Il n'y avait pas d'adresse, c'était juste une enveloppe avec USR mail, vierge, fermée. C'est bizarre, c'est quelqu'un qui l'a mis là. Il n'y avait pas mon nom, il n'y avait rien. Et dedans, il y avait une copie du livre des races extraterrestres du KGB, de répertoire du KGB. Mais c'est quoi ça? C'était comme des photocopies reliées par une spirale. Quelqu'un avait photocopié ça. Et c'était écrit en anglais dedans. Il y avait des parties en russe que je ne sais pas lire. Je sais le langage, mais pas le russe. Et il y avait une introduction en anglais, des descriptions en anglais. Ce livre était destiné aux agents du KGB. Pour les aider à identifier 54 races qui visitaient la Terre, comment se comporter en cas de rencontre extraterrestre, et les choses à faire, ne pas faire, et surtout les gens étaient, on leur disait, c'était écrit, si vous jamais vous parlez, on vous tue toute la famille. Le KGB rigole pas. Donc voilà. Et alors je commence, je tremblais, j'ai mis longtemps pour l'ouvrir. Hein. Je tremblais, et quelqu'un a mis ça dans ma boîte aux lettres. Quelqu'un avait mis ça dans ma boîte aux lettres. Et quand je commence à... Alors, il y avait des photos d'OVNI, des photos d'extraterrestres. Mais il y avait des trucs, c'était tiré de films, d'anciens films. Et vous pouvez vraiment voir que c'était tiré de genre Star Trek, des trucs comme ça. Et alors, je contacte Toran par cet implant. Et je lui dis, voilà, il ne voulait pas me dire qui avait mis ça dans ma boîte aux lettres. Et je dis, est-ce que tu peux me dire ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce livre? Il m'a dit, tout est vrai, sauf les images. Et je dis, écoute, tu peux, ben, juste, est-ce qu'on peut aller ensemble? Je vais lire le livre et puis les descriptions, puis tu me dis, c'est vrai, c'est faux. Donc, tout était vrai. Il me dit, je peux même te donner des informations supplémentaires. Attends, je dis, attends, je note. Et puis, je lui dis, de quoi ils ont l'air? En vrai? Ces êtres-là. Il me dit, ben, je t'envoie des images dans la tête. Et alors là, il me dit, au bout d'un moment, il me dit, arrête tout.
Il faut demander l'autorisation maintenant. Si tu mets ça dans ton livre, nous devons avoir une autorisation spéciale. Donc, il a eu l'autorisation de ses supérieurs. Et donc, ça a été rajouté à mon livre. Et on m'a montré beaucoup plus de races, 110 au total, qui étaient impliquées dans les affaires de la Terre. On me montrait des images holographiques par télépathie de ces races. Donc, je devais vraiment les regarder dans tous les détails et ensuite faire très, très vite le croquis, le dessin. Une fois que c'était bien enregistré, je peaufinais le dessin et voilà, scanné. Boum. Et ce sont les illustrations qui sont dans le livre. C'est comme ça que... Il y a une race qui m'a marqué parce que ça a bercé mon enfance. C'est Independence Day. Oui, alors, beaucoup à dire sur eux. Voilà, et eux, ceux qui ont les tentacules, là, et voilà, qui ont un crâne comme les Triceratops, parce que vous pouvez penser à les Triceratops. Et j'ai dit, waouh, ça ressemble vraiment à ces êtres-là qui montent dans ce film. Donc je sais qu'ils sont inspirés, forcément, de faits réels. Bienvenue sur la Terre. C'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Oui, alors il y a pas mal de films, notamment Hollywood et Netflix, hein, qui sont dirigés par le Deep State, qui présentent les extraterrestres en tant qu'horribles envahisseurs de la Terre. Mais alors, avec cela d'Independence Day, je n'avais pas vu le film, mais je l'ai regardé après, j'étais choquée. C'est les mêmes, pratiquement les mêmes extraterrestres qui sont présentés. Alors, la différence est que dans le film Independence Day, ces extraterrestres-là sont les méchants. Ils sont ceux qui attaquent la Terre, qui envahissent, ils sont les méchants. Dans moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que sont des gentils. En fait, on va rigoler. C'est les termes un peu bon. Ceux-là sont les seuls extraterrestres qui font peur aux reptiliens, aux sicas reptiliens, qui sont infiltrés sur Terre dans les gouvernements et sont là sur Terre depuis un moment. Ces reptiliens n'ont peur que de ces extraterrestres qui s'appellent les Negumak Gnomopo. Voilà. Et alors, ces extraterrestres-là, les Negumak, récemment ont été appelés à l'aide par la Fédération Galactique. Ils se sont joints à la Fédération Galactique pour chasser ces reptiliens. Il y a eu toujours la possibilité qu'un jour ces Negumak se rendraient visibles en tant que sauveurs, mais pour aider la Fédération Galactique à se débarrasser des reptiliens. Ça ne s'est pas passé, heureusement, parce qu'ils sont assez effrayants à voir. Donc du coup, c'est bon, ça ne s'est pas passé. Ils sont restés hors du système solaire. Mais je vous avais dit au départ de l'émission que les deux côtés ont des technologies pour voir dans le futur. Donc, dans l'éventualité où ces Negumak viendraient sur Terre, il fallait les représenter comme grands ennemis. Voilà, pas comme sauveurs, comme grands ennemis. Quelque chose de terrifiant. Et c'est vrai que c'est facile à les rendre terrifiants parce qu'ils sont très impressionnants. Ils sont grands, ils font à peu près 10 mètres de haut, 10, 12 mètres de haut. Moi, j'en ai vu un. J'ai eu tellement peur, je me suis recroquevillée, je commence à pleurer, hein. Mais j'étais pas en danger, c'est juste qu'ils sont très impressionnants. Très impressionnants. Est-ce voilà. que, par exemple, ça reste de la fiction, parce que dans The Independence Day, ça reste une carcasse. Mais l'être qui est à l'intérieur est tout petit. Oui, c'est encore pour le ridiculiser. Voilà, pour voilà, le ridiculiser. Mais donc, ça c'est fake, ça. C'est fake, c'est ah oui, tout à fait. Réellement à part. Ah oui, c'est leur. Ils sont. C'est comme ils sont un peu insectoïdes, hein. C'est comme des exosquelettes. C'est des êtres, voilà. Ils sont très impressionnants, mais en fait, c'est des monstres gentils, comme on va dire. Oui. Mais si on les énerve, c'est plus des monstres gentils. Ça, c'est typiquement de l'humain, parce que quand tu dis qu'on te montre les gentils en tant que méchants, c'est ce qui se passe avec vous en ce moment.
C'est ça. Oh, merci, Kevin. Avec, tout à fait. Robert Lortal, avec toi, Chris Esson, etc., etc. Pas les noms des personnes roumaines, je suis désolé, mais je ne les ai pas en tête. Mais... Parce qu'on on amène des preuves, Kevin, parce qu'on amène des preuves incontournables et des évidences, et ça dérange l'état profond. Et avant tout, vérifié par les scientifiques. C'est ça qui est important de dire. Oui. C'est vraiment important. Moi, j'ai été contactée en privé par l'US Air Force, US Navy, des gens comme ça. Ils m'ont contactée en privé en me disant « Vous êtes à... » Il poil à point sur le on target, comme ils disent. Nous vous protégeons, vous êtes protégés, nous vous protégeons, mais sachez que vous avez accès à des connaissances qui vous mettent en danger. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés. J'ai aussi eu des corroborations, enfin des informations par certaines personnes bien placées que Space Force aussi était au courant de mes communications et me protégeait. Donc, je me sens très protégée. J'ai été attaquée 3 fois par energy weapon, des rayons. Armes à énergie dirigées. Voilà, des armes à énergie dirigées 3 fois. Ça fait très peur. Avant de vous tirer dessus, il y a un pointeur. Okay. Ouais. Il pointe directement sur le cœur et ça, vous le sentez. Et c'est la panique parce que c'est votre champ électromagnétique commence à vibrer, 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 vibrer. Et vous sentez comme le rayon qui va arriver. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est comme sonore. Oui, c'est comme vous savez. Ces armes-là sont servies dans les manifestations en ce moment en France. Oh mon Dieu. Ils ont des canons sonores qu'ils ont mis au point que tu ne peux pas rester sur place. Tu commences à sentir vibrer et tu as un recul automatique. C'est ça. Voilà, ils s'en servent sur les manifestations dans le monde, mais surtout en France en ce moment. Et ils s'en sont servis il n'y a pas longtemps. Mon Dieu. Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype, mais il pourrait venir s'ajouter à la liste des armes de défense comme le pistolet à balles en caoutchouc ou le taser. Imaginez un projecteur de lumière invisible qui émettrait des ondes radio. C'est grand comme ça au départ, et à l'arrivée c'est de la même taille. Repousser une foule hostile ou encore protéger l'entrée d'une base, les possibilités d'usage sont multiples. Côté santé, l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi-millimètre et que tout risque de surexposition est impossible. Si l'opérateur appuie sur la gâchette, mais que les choses vont trop vite et qu'il continue d'appuyer par erreur, ça s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. Sur 11 000 tests, seules 2 brûlures légères ont été constatées. Selon le colonel Tafola, le dispositif constitue désormais l'arme de défense la plus sûre jamais mise au point. Mon Dieu. Donc ça, c'est des méthodes, on va dire, douces, parce que ça ne va pas au bout de la destruction de la personne, mais c'est juste un avant-goût pour faire reculer la personne, dégoûter le manifestant d'avancer ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça. Mais vous savez, Kevin... Plus ils font ça, plus ça me motive, parce que ça veut dire que je fais la chose juste. Vous savez, quand on fâche les bonnes personnes, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, on fait la bonne chose. Et je suis protégée, parce qu'à chaque fois que j'ai eu ces attaques, on a coupé le flux. Il y a quelque chose qui a coupé le flux. Ok ? Donc je suis protégée. Mais c'est des intimidations. J'ai reçu beaucoup de menaces, plusieurs menaces de mort. On a essayé de me faire signer des accords de non-divulgation. Ça a été par des menaces. C'était avec Silicon Valley. Ils ont essayé de... Je l'ai vu, je crois. Le,
Vous l'avez vu, voilà. Ah oui, parce que voilà, je n'ai pas été la seule. Le World Economic Forum a essayé moi-même, Jean-Charles Moyen, voilà, je le dis, et d'autres personnes, d'autres super soldats. Et on a reçu ces agréments de non-divulgation qu'il fallait signer. Et bon, on a tous refusé, bien sûr. Évidemment. J'ai dû me payer un avocat et l'avocat m'a dit, il a fait des recherches, il a dit, waouh, tu sais qui est derrière tout ça? Il m'a donné des noms et il m'a dit, le Forum économique mondial, ils veulent vous arrêter. On a eu énormément du mal à nous tirer de l'affaire. Ça a été long. Je n'ai jamais pu parler vraiment officiellement de ça parce qu'il y a eu des... Vous savez, quand il y a des procédures juridiques, on ne peut pas en parler publiquement. Voilà. Exactement. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Après, moi, je veux plus de problèmes. J'ai eu assez de oui, oui, mais justement, stress avec ça. Tu me sers de transition là-dessus. Quand tu fais des cibles d'attaques et d'attaques gratuites pour moi, en disant que tu fais partie de la CIA, alors qu'est-ce que t'as? J'aimerais bien avoir la paye de la CIA. J'aimerais bien avoir leur salaire. Ce serait sympa. Mais ça. Non. Qu'est-ce que t'as répondu à ces gens-là? Si tu daignes à leur répondre, d'ailleurs, parce que t'es pas obligé. Hein. Ils croient ce qu'ils veulent. Ils croient ce qu'ils veulent. Vous savez, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Ils croient ce qu'ils veulent. Bien sûr que je suis pas. La CIA essaie de me tuer. Voilà, donc. Si elle essaie de me tuer plusieurs fois. Je rigole, mais c'est nerveux. Oui, je m'en fiche. Vous savez, alors ça, c'est intéressant. Parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en étudiant. Les traditions païennes, traditionnelles, voilà, les anciennes religions, quand on ne peut pas supprimer une foi, une culture, une vérité, un fait, des preuves, quand on ne peut pas les supprimer, on les redirige vers un mensonge, on les décrédibilise et on les réassigne à quelque chose de complètement barjot. On détourne et on fait la confusion et on va créer d'autres narratifs similaires qui vont essayer de prendre le dessus pour noyer le poisson. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec les gens qui amènent les évidences. Donc, évidemment, on va m'associer avec le New Age dont je me bats, contre lequel je me bats. Je me bats contre le New Age. Je n'en fais absolument pas partie. Ça n'a rien à voir avec moi. Exactement. C'était ma question suivante, justement. Qu'est-ce que tu penses et quelle est ta relation avec le New Age? Alors voilà. Alors pour moi, bon, il y a un éveil réel de l'humanité. L'individualité, la souveraineté de qui chacun qui on est, ça pour moi j'y crois. Mais alors il y a ce en quoi je crois encore plus fortement, avec évidence, c'est que la CIA notamment, hein, la CIA est derrière. La CIA a été créée 4 mois après le crash de Roswell pour bloquer la divulgation. C'est pour ça que la CIA a été créée, pour bloquer la divulgation, ok? Donc, la CIA a créé après, il y a une Majestic 12, le projet Blue Beam, qui au départ était pour recueillir des témoignages et pour ensuite les dire bloquer. Que, ben non, les bloquer et dire non, finalement, ces gens-là sont fous, désinformés. Il y a eu, après le projet Blue Beam, lapsus. Blue Book est devenu d'autres projets, etc., etc. Ça continue. Maintenant, il y a des organisations ufologiques mondiales qui ont le même but de recueillir des témoignages et de noyer le poisson pour bloquer la divulgation. Voilà. Et alors, quand des gens comme moi, comme Jean-Charles Moyen, comme des gens qui Tony Rodrigues, des gens qui amènent des preuves arrivent, il faut se débarrasser d'eux. Donc, on va créer des narratifs, des mouvements spirituels qui ressemblent à des sectes et des personnages imaginaires qui vont décrédibiliser l'information juste que ces personnes amènent. C'est-à-dire, voilà. Moi, je suis une contactée de personnes qui travaillent dans une organisation extraterrestre qui est réelle, qui s'appelle la Fédération Galactique des Mondes ou des Planètes, dépendant de la traduction.
Ceci a été corroboré par William Tompkins. Hein, Jacques Vallée, c'est écrit dans le livre de William Tompkins, hein, Select by Extraterrestrials. Jacques Vallée lui a dit, il y a une fédération galactique qui est en contact avec les gouvernements. Le président Eisenhower a eu des contacts avec des représentants de la fédération galactique en 1954. Enfin, Ali Meshed, hein, général de l'armée israélite, etc., etc. Bon, moi, je suis en contact avec eux aussi. Le truc, c'est que ça dérange. Okay. Donc, on va inventer une autre fédération galactique imaginaire qu'on va appeler la Fédération galactique de lumière, Galactic Federation of Light, qui est une totale invention, qui est une totale imagination, hein, qui n'est pas vraie et qui est très New Age. Ils ont aussi inventé Ashtar Shiran, qui est une totale invention, le vaisseau Jérusalem, tous ces trucs. Je me bats contre ces trucs et j'ai fait une page sur mon site web qui débunke tous ces points un par un. La Fédération Galactique de Lumière n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est des New Age blabla. Je me bats contre ça. Alors, quand on m'associe au New Age, ça m'enrage. Non, je n'ai rien à voir. Ce sont des psyops, opérations psychologiques faites pour me décrédibiliser. Et ça, les gens doivent vraiment faire la différence. Ne regardez pas ces choses New Age. Regardez ce que moi, je vous donne, ce que moi, je vous présente. Voilà, c'est tout, c'est ça. Et regardez les faits, regardez la liste de corroboration, regardez tout ça. Et vous verrez bien qu'il n'y a aucun rapport avec les trucs New Age. Voilà. Et exactement. C'est pour ça que je voulais que c'était important pour moi de te recevoir. Pour que tu crèves les abcès. Parce que personne... Tout le monde parle dans le dos, mais personne ose venir te voir et te poser des réelles questions. Merci. Et c'est important. C'est important. C'est vraiment important parce que c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses, justement. Comme des photos qui ont été sorties de leur contexte, où on te traite de satanique, alors qu'ils connaissent oui. même pas les traditions païennes en Irlande. Voilà, c'est classique. Les gens sont désinformés. La meilleure moyen de manipuler les gens, c'est de les désinformer. Et ensuite, de les nourrir avec des mensonges et des choses complètement idiotes. Voilà. On passe à ça. Ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. C'est ça. Ça, c'est fait. Est-ce que pour toi, c'est la première fois que tu t'incarnes sur Terre? Non. Non, c'est pas la première fois. J'ai des souvenirs de vie dans d'autres époques de l'humanité, dans d'autres endroits. Oui. D'accord. Quelle était ta vie dans les Pléiades, si tu as une vie dans les Pléiades avant de t'incarner sur Terre? Oui, alors j'ai le souvenir d'avoir vécu dans les Pléiades, mais dans le futur. Il faut dire que le temps linéaire, la linéarité du temps, comme on me l'a expliqué, est interdépendant de la gravité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système solaire, dans des lois de force de gravité, le temps aussi se plie à la gravité. Donc, il devient linéaire. Vous êtes sur une planète qui tourne, qui orbite une étoile dans un temps linéaire. Voilà. Voilà. Quand on est hors de la gravité, dans l'espace, il n'y a plus de temps linéaire. Quand on n'est plus sujet à la gravité. Donc, il y a des choses qu'il faut sortir de la façon de penser linéaire, on va dire. Je dis ça parce que on peut s'incarner dans le passé, dans le présent, dans le futur. Je viens du futur, c'est-à-dire que la vie avant celle-ci, j'étais dans les Pléiades, j'ai décidé de m'incarner dans le passé, maintenant. Sur cette planète, pour faire un travail particulier que je fais maintenant. Mais avant d'être dans les Pléiades, j'étais incarnée ailleurs. J'ai eu aussi des incarnations sur Terre. On peut faire ça, aller dans le futur, dans le passé. On peut. C'est. Il n'y a pas de loi vraiment avec le temps. Il n'y a pas de loi linéaire. D'accord. Quel est ton lien direct avec Toran? Nous nous connaissions avant de venir. Avant de m'incarner sur Terre, de décider d'enrôler pour ce qu'on appelle, moi je décris ça en anglais, envoy
Program, le programme des envoyés. Bon, ils appellent Starseed, mais je n'aime pas utiliser le mot Starseed parce que le New Age s'est accaparé ce mot Starseed. Donc, j'aime pas. J'aime bien faire la différence. Je dis envoyé. Donc, j'ai décidé de me souscrire à ce programme d'envoyés. Thoran, qui était avec moi à ce moment-là, a décidé, lui, d'enrôler dans la Fédération Galactique en tant que militaire, pilote. Et il savait qu'à un moment donné, il allait devoir me secourir, mais il ne savait pas quand ni où. Donc, il s'est enrôlé en tant que pilote et il attendait. Il faisait des ronds autour de la Terre, mais il était très pas loin, disons, une station spatiale orbitale. Et quand le moment est venu, il était en colère aussi. Hein, il n'était pas content de ce qui m'arrivait. Voilà mon lien avec lui. Nous avons un lien, nous avons eu des vies ensemble, pas uniquement dans le Pléiade. J'ai discuté avec une personne qui s'appelle Maryse et qui me disait, qui est contactée, et elle me disait, il y a une dame qui s'est présentée à moi, où je voyais juste le haut, et qui se présenté comme Altéane. Je sais que ça va te parler. Oui. Elle est tombée sur ta vidéo au hasard, synchronicité, donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu parles des Altéanes. Mm-hmm. Sauf que quand elle m'en parlait, je ne m'y connais rien. J'avoue, là-dessus, je ne m'y connais rien, mais je me renseigne. Mais avant que j'ai cette visio avec elle, parce que je l'ai fait en visio, comme là on fait présentement, et quand elle me parlait de ça, dans ma tête, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, on va voir ça. Altéane d'Aldébaran. Ça n'arrêtait pas dans ma tête de tourner en boucle. Alors, en même temps, je regarde sur Google, chose première. Donc je tape Altéane d'Aldébaran, tu trouves rien. Tu trouves rien, ça t'amène à rien, tu trouves des compagnies bizarres. Je tape Aldébaran. Et dans ma tête, je vois Constellation du Taureau. Mais en même temps, dans ma tête, je me dis, si elle me dit qu'elle est du signe du Taureau, là, ça, c'est fort. Mm-hmm. Alors, je lui pose la question. De quel signe tu es? Et qu'est-ce qu'elle me répond? Taureau. Ça fait partie de la constellation du Taureau. Alors, pourquoi? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Sur pourquoi? Est-ce que déjà, les constellations peuvent avoir un impact avec le signe astrologique? Alors, ça, c'est très intéressant. Oui, les constellations ont un impact à le signe astrologique. Le voyage de l'âme, quand on décide de s'incarner dans un autre système solaire, il doit y avoir un certain chemin galactique, un chemin entre les étoiles, une route, un conduit, un alignement d'étoiles qui va faire que l'âme peut se transférer, passer par le conduit et s'ancrer sur la planète où elle va s'incarner. Donc, cette dame a dû vivre dans Aldébaran, la constellation, le système solaire d'Aldébaran, dans son incarnation précédente. Altéane, ça n'a rien à voir avec Aldébaran ni à la constellation du Taureau. Ce sont des gens qui viennent de la galaxie 7331 dans la constellation, visible à travers la constellation de Pégase. Et donc peut-être que cette dame en est une, mais vous voyez, on peut venir de n'importe où dans l'univers et s'incarner n'importe où. Donc voilà, moi pourquoi ça me parle, Altéane, eh bien je peux le dire puisque je le déclare dans mes livres et mes vidéos, c'est ma matrice planétaire originelle. Voilà, c'est là où mon âme s'est incarnée pour la première fois sur une planète du système d'Altéa. La constellation 7331. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous donnons à cette galaxie le nom de Aldoram, et ça ressemble à Aldébaran. Aldoram ressemble à Aldébaran. Et donc, peut-être qu'il y a, on ne sait pas. Ça peut être plusieurs. Je n'analyse pas à la base, mais ça me venait comme ça. Comme si le mot Altéane et Aldébaran étaient liés.
Alderaan. La galaxie peut se prononcer aussi Alderaan. Alderaan. Ça ressemble, hein? Ok, oui. Oui, exact. Ça ressemble. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire quelles sont les races dans la Fédération galactique quand ils se réunissent? Quelles sont les races présentes? Alors, il y a plus de 25 000 cultures qui sont dans la Fédération galactique des planètes, des mondes. Je serais incapable de les mentionner ici, ou sinon on va faire une semaine d'émission. Mais la Fédération galactique des mondes a été créée par, au départ, les Pléiadiens du système Thai Getal et Ahil. C'est pour ça qu'ils sont pas mal dans des hautes positions. Les Oumites de la constellation de la Vierge, oui, Oumites, ils sont pas mal dans des hautes positions. Après, il y a les Alpha Centauriens aussi, les Silosi, les Métones. Ça, c'est les races. Ils sont tous grands blonds, avec des différences génétiques. On peut les différencier chacun. Les Tashkeru de Sirius B aussi, qui sont là, de la planète Nayan. Eux, ils sont plus petits, ils ont un visage triangulaire et des yeux plus grands. Ils font un peu asiatiques. Ils sont très beaux, avec des cheveux blonds. C'est magnifique. Alors, il y a énormément de races. Il y a deux conseils. Il y a un conseil de 24. Les Seeders aussi sont 24. Et j'ai demandé pourquoi, le conseil d'Andromède aussi, pourquoi toujours 24, 12, 9? On me dit, alors, c'est par rapport à la géométrie universelle. C'est un rapport avec la géométrie universelle, les nombres, les mathématiques universelles. C'est pour ça que les conseils sont souvent de 24, 12 ou 9. Voilà. Donc, il y a un haut conseil de 24, hein, et il y a un bas conseil. Ils sont beaucoup plus. Il y a des représentants des cultures principales par région de la galaxie. Alors, le conseil des 24, c'est les 24 civilisations les plus évoluées en conscience et technologie. Il y a deux races dont je me souviens toujours parce qu'ils ont toujours un rôle à jouer. C'est le héros, ou Herald, en anglais on dit héros, le héros, c'est un Tengri Tengri, il vient d'Aquarius, de la constellation d'Aquarius, du système Trappiste 1. Ça c'est très intéressant, parce que c'est le héros du Haut Conseil de la Fédération Galactique, et James Webb Telescope a tout de suite mis l'œil sur le système Trappiste 1, où les Tengri Tengri habitent. C'était très impressionnant. Et moi, on m'avait dit avant, hein, encore une des corroborations, j'avais annoncé avant les résultats du James Webb Télescope, on va vous parler de la vie dans le système de Trappiste 1. Et ça n'a pas manqué. Ensuite, il y a une femme qui est responsable des lois et des tout ce qui est juridique, la directive première aussi, qui a beaucoup de corrélation avec la directive première de Star Trek. Hein, Star Trek est de la divulgation, ça on peut en parler longtemps. Cette femme, c'est une Osman, elle vient du système de la constellation de la Lyre, un système de la constellation de la Lyre. Elle est très grande, elle est très belle. Elle a pas de cheveux, mais elle est très très filiforme, elle est magnifique. Toujours des robes incroyables. Voilà, c'est deux que j'admire, et chaque fois je suis autorisée à assister des réunions du Haut Conseil en tant que reporter, hein, émissaire. Je suis là, je dis rien, je prends pas part aux décisions. Je suis là, j'écoute et je prends des notes. Toujours j'attends de la voir. Elle est super belle. D'accord. Autre chose, on parle aussi souvent, j'ai entendu parler de ces êtres qui seraient de type afro, avec des yeux bleus. Oui. Ça, c'est des Pléiadiens. Il y a des gens comme ça dans les Pléiades. Voilà. Et ils ont souvent des cheveux un peu avec des dreadlocks, mais très très fines. Pas toujours, mais souvent. C'est très impressionnant. Et la peau un peu tannée. Ouais. D'accord. Non, c'est toujours impressionnant. Et là, on va parler
la rencontre le 21 et le 22 juillet 2023 qui aura lieu, la rencontre galactique, la fameuse rencontre galactique qui fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, fait plus beaucoup d'encre, mais ça, on va dire que c'est des partages sur Internet à plus en pouvoir à essayer de décrédibiliser cette rencontre, parce que c'est pas un mouvement, je le précise. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui va se passer lors de cette rencontre? Oui, alors ça, j'ai eu l'honneur d'être invitée en tant que conférencière à cette rencontre qui va se passer à Tours, les rencontres galactiques, et je suis très excitée. Donc c'est un symposium qui réunit plusieurs contactés. Voilà, mais des contactés sérieux, des gens qui ont des contacts physiques, tels que moi-même, Robert L, qui est un contacté qui a passé un an dans une base extraterrestre dans l'Himalaya. Il a tout documenté, ça a été retrouvé, tout ça, c'est l'histoire est fantastique. Bien sûr, Jean-Charles Moyen avec ses évidences, David Rousseau, il y a plein de gens qui amènent des évidences et qui seront là. On veut, en fait, enfin, les organisateurs veulent ouvrir les consciences des Français à vraiment ce qui se passe derrière le blocage de la divulgation. Alors ça a vraiment déclenché le feu dans ceux qui veulent bloquer la divulgation. Ils ont envoyé leur chien, on va dire, pour attaquer cette conférence et dire c'est une secte, les gens sont fous. C'est pas grave parce que on s'en fiche parce que 11 heures après la conférence a été mise en ligne, il y a déjà plus de place. C'est vrai, ça. Mais voilà, ils ont peur. Ça fait peur à tout le monde. Ça leur fait peur à eux. Donc, ils vont essayer de décrédibiliser, cette conférence. Et en plus, décrédibiliser surtout les conférenciers, en disant, en inventant des élucubrations les plus idiotes au sujet de chacun. On parle de secte, on parle de CIA. Enfin, c'est assez risible. Et je pense, moi, je suis embarrassée pour ces gens-là parce qu'ils se ridiculisent et c'est vraiment voilà, bon. Après, rien à dire, hein. C'est la stupidité humaine. Hein. C'est ça. En tout cas, je te félicite déjà de ta force, de tenir de continuer à garder ton objectif et garder le cap parce que et surtout respect. Voilà. Je tenais à te le dire aussi. Merci. On va en finir avec ça. Je te remercie encore infiniment pour toutes ces informations que tu nous as données. Tu reviens quand tu veux. Si tu veux parler de quelque chose, ma chaîne t'est grande ouverte. Et puis, avec plaisir. Ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on peut voir sous une autre facette la personne scientifique, la personne qui a fait ses recherches, la personne contactée et qui a eu des corroborations avec des entités américaines, des scientifiques américains, des militaires américains de haut rang. Donc ça, c'est très important de mettre le point là-dessus et que c'est pas parce que il y a des gens, des gouvernements qui t'appuient et qui te protègent qui font forcément partie de l'agence à trois lettres. Donc, voilà, tout à fait. Voilà. L'agence à trois lettres a essayé de me tuer plusieurs fois, donc trois fois. Donc, donc voilà, et puis on fait un coucou aussi à Michael Sala, qui fait aussi pas mal de partage avec lui. Et puis voilà, donc je te remercie énormément encore, et puis je te souhaite une bonne continuation dans la divulgation. Et puis de toute façon, on garde contact. Et parce que seul, on va vite. Merci. Mais ensemble, on va plus loin. Merci Kevin. Merci pour tout le travail que tu fais aussi. Merci. Bye bye.